Eh bien le bonjour cher ami, c'est Mister TNT, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le no mode de la semaine, le no mode comme chaque semaine sur ma chaîne. Donc chaque mercredi il y aura un no mode comme je l'ai dit précédemment pour ceux qui ne le savaient pas. Donc cette fois-ci ça va être un no mode assez particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un mode déjà de The Red Engineer. Donc The Red Engineer qui est quelqu'un qui fait des nomodes complètement badass, un truc de fou quand même. Et en gros, cet homme a fait un nomode assez particulier qui consiste à faire une guerre, une petite guerre, une mini guerre avec plein de clay soldiers, donc avec plein de petits soldats. Donc c'est assez marrant, on peut même les personnaliser les soldats, on peut mettre des têtes de joueurs, on peut mettre ma tête par exemple, on peut mettre la tête de n'importe qui. Bon, cette fois-ci, je pense pas que je vais m'amuser à mettre des têtes, mais en tout cas, on va avoir la tête de The Red Engineer et de Ija Minecraft qui vont se combattre tous les deux. Donc bien sûr, tout ceci sera sur une map que The Red Engineer a faite. Donc une map qui est dans la description, ainsi que la commande. Donc une fois que vous serez sur la page, vous téléchargerez les deux. L'idéal, c'est de prendre la map, sincèrement, parce qu'il y a pas mal de trucs. De toute façon, je vais vous montrer après. Elle est livrée avec un livre et une épée. Une épée, une cheat mode, enable. Voilà. Donc on va directement se giver un command block en tapant la commande slash give arrobas p commande tiré du 8 block. Ok mon gars, on a le command block. On va ensuite y coller la commande qu'on a copiée grâce au lien qui était dans la description. Enfin il est toujours d'ailleurs. Bam, alors on y colle la commande, nickel. Une fois qu'on a collé la commande, on va activer le command block grâce à un bloc de redstone. Donc oula, bam, on va éviter de spawn à l'intérieur de cette petite machine qui va apparaître. Donc la machine, une fois que la machine est apparue, vous allez avoir des écritures dans le chat et vous allez avoir plusieurs pancartes. Donc on va regarder déjà la première pancarte, donc CMD. J'ai fait quelque chose de mal? Ok. J'ai peut-être appuyé sans le faire exprès. Alors on va la remettre, c'est pas grave. Ça arrive, c'est le TNT fail. Ok, donc 4 pancartes, je vais éviter de cliquer. Donc Clay Soldier by The Red Engineer. C'est un nomode en 1.8, 1.8 et plus, mais pas en 1.9. Ensuite, bien sûr, vous aurez le lien de la chaîne de The Red Engineer dans la description. C'est tout à fait normal. On va appuyer juste ici. Bam, on va faire un clic droit. Et en gros, on va nous demander de dropper plusieurs objets pour avoir les Clay Soldiers. On va cliquer une fois ici aussi pour activer la machine. Voilà, right click deux fois, testing to activate machine. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, écoutez, cette pancarte, je pense qu'elle sert à activer la machine et celle-là à désactiver la machine. Donc voilà, ça évite de la supprimer de la map. Une fois la machine activée, il nous faudra plusieurs objets que l'on va mélanger pour créer les Clay Soldiers. Donc il nous faudra de la Rotten Flash ainsi qu'une Armor Stand et deux blocs, donc un rouge et un bleu. Donc voilà, on double tous ces items. Et on va les balancer chacun au sol. Donc le rouge, l'armure stand et la rotten flesh. On va avoir des red soldiers. Normalement on en aura 10. On va faire la même chose pour eux. Bam, on va avoir l'équipe bleue, nickel, on a l'équipe bleue. Donc on a du rouge et on a du bleu, nickel. Donc ce livre est livré avec la map. On va enfin voir l'arène de combat. Donc voici l'arène de combat que The Red Engineer a faite. Elle est assez stylée parce que on peut ouvrir et fermer les portes. Voilà. Donc déjà c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans chaque camp. Déjà, on va commencer par le rouge. Il me semble, c'était quoi déjà? Cheat mode, ça doit être ça. Oula, j'ai dû balancer le truc. On va l'ouvrir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer par le toit, allez. Je suis un malade, je passe par le toit. Oh, le tag! Ok. Donc, on va remplir cette zone de Red Soldier. Bam, 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 bam. On va, bam. Bam, bam, bam. On va la remplir énormément pour chaque case. Bon, personnellement, c'est pour chaque case. Hein. Ça va être plus stylé. Comme vous pouvez le voir, en fait, chaque Clay Soldier a une tête. Cette tête est tout simplement la tête de Red Engineer. Donc, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure en vidéo. En gros, on peut mettre n'importe quelle tête grâce à une commande supplémentaire qui est ajoutée sur le lien où se trouve la commande de celle-ci. Donc bien sûr, je pense pas que je vais mettre de tête personnalisée. Voici l'équipe bleue. Équipe bleue qui est composée d'Herobrine. Donc c'est assez marrant. Donc une fois les deux équipes placées,
Je vais vous expliquer rapidement à quoi consistent les plaques de pression posées sur le terrain. En gros, chaque membre des deux équipes va se foncer dedans quand je vais ouvrir les portes. Et ils vont tout simplement marcher sur les plaques de pression. Les plaques de pression, va TP n'importe quel membre des deux équipes, n'importe où sur le terrain, mais vraiment n'importe où. Donc ça va être assez marrant parce qu'ils vont tous se foncer dedans. Il y en a peut-être un qui va aller là, un là, un là, on ne sait pas. Après, chaque équipe a une particularité. En gros, déjà, quand ils vont se foncer dedans, il va y avoir des tonnes de flèches qui vont tomber du ciel sur eux. Donc ça va être assez stylé, ça aussi. Donc l'équipe bleue va manier un peu de TNT. En gros, ces TNT n'explosent pas comme des explosifs normaux. Ils explosent tout simplement en faisant office de bombe à flèches. En gros, ils vont exploser, des flèches vont un peu se propulser n'importe où. Et l'équipe rouge va lâcher des petites boxes, des petites boîtes un peu partout sur le terrain. Et en gros, ces petites boîtes vont permettre en fait que quand un membre de l'équipe bleue va marcher dessus, il va perdre son loup, c'est-à-dire que son loup va être propulsé dans les airs. Voilà, c'est tout simple, c'est assez marrant. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ah, vous m'entendez pas, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, 3, 2, 1... Bam, j'ai ouvert. Attention, ils commencent à tous se foncer dedans. Donc il y a le même nombre. Oula, on va tester un truc avant. Bam. Oula, comme vous pouvez le voir, c'est assez mouvementé. Il y a un peu le bordel n'importe où. Donc il y a des membres de l'équipe rouge dans l'équipe bleue. Waouh, le non-respect. Non-respect. Des TNT qui explosent. D'accord. TNT qui sont un peu propulsés de partout. Un loup qui a été propulsé dans les airs parce qu'ils ont lâché une boîte. Donc j'espère pouvoir vous montrer cette boîte. Il faudrait qu'un membre de l'équipe rouge lâche une boîte. Celle-ci, voilà. Un membre de l'équipe rouge va lâcher une boîte rouge. Et celle-ci va faire en sorte de propulser le loup qui est juste ici, dans les airs. Donc vous pouvez mettre énormément de soldiers, quoi. Ça peut être assez badass, surtout dans une plus grande map. Donc bien sûr, ça c'est une map de base que le créateur de ce nomade nous a donné. Donc voilà, pour moi l'équipe bleue a gagné là. C'était pas totalement épique, mais en tout cas, on se débarrassait de tout le monde. Je pense que je vais faire un truc encore plus badass. Donc pour pimenter la chose, j'ai fait quelque chose d'assez spécial, c'est-à-dire que j'ai entré la commande pour changer les têtes des soldiers et j'en ai mis un nombre incalculable, enfin un nombre incalculable, j'en ai mis... Ah, vous pouvez voir la petite tête ici. J'ai mis 100 rouges, 100 soldiers rouges et 50 bleus, simplement parce que les bleus ont des loups, du coup je pense qu'ils sont plus puissants, je ne sais pas, peut-être un avis personnel. En tout cas, les bleus... Ils ont ma tête, ils sont mignons putain. Ils ont ma petite tête à moi, la petite tête du TNT. Waouh, plein de TNT. Waouh. Et les rouges ont la tête du Rakiart. Du Rakiart. Un casque est trop mignon, sans déconner. Ils sont trop mignons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la cage. Allez, Begging War. Donc j'ai beau avoir un PC ultra puissant. Je pense pas que... Si je m'approche, ça va résister à l'attaque des soldats. Sans déconner. C'est assez particulier. Ils se foncent dedans. Des tonnes de flèches tombent du ciel. Oh là, j'ai un mini-freeze. Mini-freeze. Oh. Minecraft ne répond plus. Sans déconner. La map. Ouais, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé mon jeu. Sans déconner, mon Minecraft a crash quand même. Mais c'est pas grave, on retente, parce que je persévère, on ouvre les portes, Begging War. Sans déconner. Ah, je devrais mettre une musique tellement épique ici. Waouh, il y a plein de mini Rakiart. Attention, les 100 Rakiart contre les 50 TNT. Vont-ils faire le poids? Ils défoncent. Ils sont trop. Ils défoncent les TNT. Ah putain, le Rakiart nous fait la misère. Il en reste un ici. Ah, il en reste un. Il en reste un autre là, ici aussi. Oh, sans déconner. Il les prend gang bang. Ils sont trop mignons, putain. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire ça. Bam. Non, c'est là, c'est les bleus, oui.
Non, c'est les rouges. Les rouges, on va faire ça, parce que nous, on est des lâches, et on ne s'avouera jamais vaincu. Donc on va faire ça. Bam, 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 bam. Et c'est qui le perdant maintenant? C'est le Rakyart. Allez, bam. C'est qui les plus puissants maintenant? C'est les TNT. Hein, les mecs, on les a défoncés, hein. Hein, 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 tu fais moins le malin, Rakyart, hein. Hein, oui, oui, c'est toi qui fais le malin, hein. Tu vas te faire défoncer, mon gars. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Allez, t'es mort. Bien joué, les mecs, bien joué. Allez, putain. Rentre à la maison maintenant. Vous êtes trop mignons, putain. Écoutez, les amis, je vous remercie d'avoir regardé. Il m'a tiré dessus? Ah, voilà les. Oula. Voilà les Toy Box que. Ah, d'accord, bon, c'est des mini TNT. Bon, c'est pas grave. Écoutez, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode qui était fort sympathique. Enfin, cet épisode, cette présentation de nos mods. En tout cas, c'était marrant. On a pu faire une mini-guerre, bien sûr. Ça aurait pu être beaucoup plus épique, mais c'est déjà un bon début. Bien sûr, on peut faire des trucs totalement épiques en le mettant sur une autre map, en mettant plus de. Enfin, en répartissant tous les membres d'équipe et tout. Ça peut être marrant. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, on se donne rendez-vous pour la prochaine présentation de mode ou de nos modes la semaine prochaine. Donc comme chaque mercredi à 14h. Bisous tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien. Et voilà, au revoir. Oh, sans déconner, il y a trop de TNT, putain, sans déconner. Faut que j'arrête de m'accoupler.